À partir de 65 ans, il existe environ un tiers des femmes qui auront des fuites urinaires et cela augmente avec l'âge. Dans la période postnatale, environ 77 % des femmes seront touchées par des symptômes liés au système urinaire. Par la suite, 92 % de ces femmes auront toujours des symptômes 5 ans plus tard. Oui, tout à fait, nous avons l'accès direct en physiothérapie. Les exercices du plancher pelvien peuvent être efficaces chez les femmes à partir de n'importe quel âge. Donc oui, vous faites toujours en tout temps essayer de faire la rééducation périnéale et pelvienne pour réduire ou même éliminer votre problème. Non, il faut faire absolument une formation en rééducation périnéale et pelvienne pour adresser ce type de problématique. Oui, en fait, c'est très fortement recommandé car 25 à 30 % des femmes ne font pas la bonne contraction, donc elles pourraient même s'empirer si elles décident de faire elles-mêmes le traitement à la maison. Nous devrions commencer à remarquer des améliorations au niveau musculaire à l'intérieur de 4 à 6 semaines. Cependant, on va vous donner au niveau de vos habitudes de vie des conseils et des trucs et préventions pour voir des améliorations au quotidien. Votre physiothérapeute va également vous aider à espacer vos visites à la toilette si c'est une problématique. L'International Consultation in Incontinence va également recommander des exercices en rééducation périnéale pour une période de 12 semaines afin de s'assurer que votre rééducation périnéale dure sur une plus longue période.